Comme les Français, les Anglais ont introduit le jazz dans les églises. Mais à la cathédrale Saint-Paul de Londres, on a soumis le jazz à l'esprit du lieu. Pour la première fois, semble-t-il dans le monde, un chœur, celui de la célèbre cathédrale, s'est joint aux musiciens de jazz de Michael Garrick.